Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors c'est le jour J, regardez, je vais pouvoir déposer à la banque tout l'argent que j'ai gagné avec mon salon de coiffure. Et je vais pouvoir enfin m'acheter ma future maison à la campagne de Brookhaven. Donc je suis trop contente, je vais commencer par déposer l'argent sur mon compte bancaire. Donc je remets tout dans le distributeur, voilà, c'est super. Et puis demain j'ai rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter ma future maison. J'ai vraiment trop hâte. Oh my god, c'est aujourd'hui que je vais visiter ma future maison. J'en crois pas mes oreilles. Ah ben voilà, l'agent immobilier est arrivé. Bonjour madame. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Aurélie, c'est bien vous ? Oui, tout à fait, c'est moi. D'accord, très bien, donc c'était pour une maison dans la campagne de Brookhaven, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Très bien, alors venez, on y va, je vous amène. Ok, c'est parti. Ah, j'ai vraiment trop hâte. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente de quitter la ville pour m'installer à la campagne, là où tout va être plus calme. Alors attention, la campagne c'est plus calme, mais on reste quand même à Brookhaven, hein, ne l'oubliez pas. Oui, c'est vrai, vous avez raison, la vie à Brookhaven est toujours pleine de surprises. C'est clair, alors j'aurais besoin de vous faire remplir quelques papiers, ça va être un petit peu long, mais on est obligé de passer par là. C'est pas grave, faites ce qu'il faut, du moment que j'ai ma maison. Très bien, alors je vais vous faire signer. Oui, tout à fait, ok, je signe. Vous allez voir, à Brookhaven, on a un système immobilier au top. Votre maison de vos rêves se construit en un clin d'œil. Waouh, c'est top ça, j'ai vraiment hâte de la voir. Oui, j'imagine. Allez, ça y est, c'est fait. Voici votre maison. Waouh, non mais je rêve, elle est magnifique. Oh là 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 là, mon rêve vient de se réaliser. Bravo, félicitations, vous voilà propriétaire. Oh là là, j'y crois pas. Allez, venez, je vous fais visiter. Non mais je suis en train de rêver, ça va être chez moi. Oui, et vous avez un superbe jardin, regardez. Vous pourrez même mettre une piscine. Waouh, alors là, c'est le paradis. Vous avez ici un jacuzzi. Au top. Et un barbecue pour l'été, ça va être trop bien pour vous. Ah ouais, franchement, j'adore. Allez, venez, on rentre à l'intérieur. Mais avec plaisir, j'ai vraiment hâte de découvrir l'intérieur. Waouh ! N'oubliez pas de fermer bien votre maison, parce que ça craint des fois quand même, hein. Oui. Donc ici, on est dans la pièce principale. Vous avez le salon, la cheminée, une superbe cuisine aussi. Regardez, tout équipé. Vous avez un frigo. On vous a mis quelques gourmandises pour vous souhaiter la bienvenue. Oh ben c'est super ça. La cuisine est vraiment fonctionnelle, vous avez le four plein de rangements, même en hauteur. Oui, je vois, il y a tout ce qu'il faut. Allez, suivez-moi, on va à l'étage. Donc, on arrive ici, vous avez une première chambre, idéale si vous avez des enfants. Ah oui, trop bien le lit mezzanine. Sur le côté, vous avez un dressing. Au top. Allez, on passe ici, vous avez le coin buanderie avec machine à laver et sèche-linge. Ok. Ici, vous avez une deuxième chambre, la chambre parentale, avec un coffre, un lit double. Ici, vous avez le coin bureau. Au top pour travailler. Génial. Ici, vous avez une salle de bain avec la baignoire. Vous avez tout ce qu'il faut. Les toilettes fonctionnent. On va essayer. Et vous avez ici le lavabo. L'eau fonctionne aussi. Tout va bien. Ok, génial. Ah oh, oui, et j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une salle de bain en bas. D'accord. Bon ben voilà, tout est fait. Encore félicitations pour votre acquisition. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon ben je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Merci, au revoir. Bon ben je vous raccompagne quand même. Je vais quand même la raccompagner. Bon ben voilà, je vous ai ouvert le portail. Oui, et si je peux vous donner un conseil, ne faites pas trop confiance aux gens à Brookhaven. Méfiez-vous. Au revoir. Oui, au revoir. Bon, ça devrait pas être si mal quand même. Je suis à la campagne. Ah oui, il faut pas que j'oublie de fermer le portail. Pour cette première nuit dans ma maison, je vais commencer par m'allumer un bon feu de cheminée. Waouh, que c'est agréable. Ça va être trop bien. J'espère que je vais passer de nombreuses années heureuses ici. Je commence à avoir faim. Bon, ben, je vais aller voir dans le frigo. C'est super qu'il m'ait laissé des petites gourmandises. Ça fait vraiment plaisir pour la bienvenue. C'est top.
J'arrive pas à croire que cette maison est enfin à moi. Et regardez, il y a une chambre pour quand j'adopterai mon enfant. Il y aura même la place pour un deuxième. C'est vraiment le rêve pour moi. Bon, il se fait tard. Je vais filer sous la douche. Oh là là, que ça fait du bien. Et me voilà en pyjama licorne, prête à aller dormir. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? On a sonné? Ah oui, on a sonné. J'arrive! Une livraison? Pour moi? Bizarre. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Bonjour, c'est pour moi? Oui, c'est un colis pour Aurélie. C'est bien vous, Aurélie? Oui, c'est moi. Donc voilà. Mais attendez, je n'ai commandé aucun colis, je viens d'emménager. Eh bien, c'est un colis pour la maison 22, pour Aurélie. C'est bien vous. Vous le prenez ou pas? Oui, d'accord. Bon, ben, je le prends. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Oui, au revoir. Ben, ça alors. Je me demande bien qui a bien pu m'envoyer ce colis. Je viens d'arriver. Personne n'a encore mon adresse. Bon, ben, ça fait quand même plaisir. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a pas l'air très lourd. J'ai vraiment hâte. Je suis trop curieuse. Allez, je l'ouvre. Oh, une poupée? Une poupée bizarre avec une tête de singe. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé ça? Oh là là, ça me fait un petit peu peur. Elle est vraiment bizarre, cette poupée. Et puis j'ai entendu un bruit bizarre quand je l'ai ouverte aussi. Qui a bien pu m'envoyer ça? Oh, la lumière? La lumière s'allume et s'éteint. Oh, ça commence à vraiment me faire peur. D'abord, j'ai entendu ce bruit bizarre et ensuite l'ampoule qui grésille. Oh mon Dieu, ça recommence. Non, 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 il ne faut pas que je commence à avoir peur. Aurélie, reprends-toi. Ce n'est qu'une poupée. Les fantômes n'existent pas. On va l'arranger ici et puis tout va bien aller. Oui, tout ira bien. Les choses comme ça n'existent pas. Oui, après tout, c'est peut-être le hasard. Peut-être que l'ampoule avait besoin d'être changée. Oui, c'est sûrement ça. L'ampoule avait besoin d'être changée. Et puis, tout à l'heure, j'ai peut-être entendu un bruit qui venait de dehors. Oui, c'est sûrement ça. Je me fais des idées. Ah là là, ça va de suite beaucoup mieux. Bon, allez, c'est pas que, mais il faut que j'aille me préparer. Je file à la salle de bain, je m'habille. Et c'est parti pour une nouvelle journée. J'ai des tas de choses à faire aujourd'hui en plus. Oh mon Dieu! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais la télé était éteinte. Elle vient de se mettre en marche toute seule. Oh non, c'est pas possible. Encore quelque chose de bizarre? Ça va pas recommencer. Là, ça recommence à me faire peur vraiment. Je vais éteindre la télé. Non, mais c'est pas possible. Allez, réfléchis Aurélie. Peut-être que c'est moi qui ai allumé la télé, que je m'en rappelle plus. Ah, je sais plus. J'ai trop peur, ça devient trop bizarre. La journée est enfin terminée, mais j'arrête pas de repenser à cette poupée. Je me demande bien qui a pu me l'envoyer et pourquoi. Peut-être que c'est pour me souhaiter la bienvenue dans le quartier, que je me fais des idées par rapport aux choses bizarres qui se sont passées. Oui, c'est sûrement ça. Oh, je commence à être fatiguée. Bon, allez, j'y pense plus et je dors. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est encore la même chose? Ça recommence? Oh non, mon Dieu, j'ai trop peur. C'était quoi ce bruit? Oh mon Dieu, je suis terrifiée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Au secours, j'ai vu un fantôme! Oh non, j'y crois pas, j'ai trop peur. Au secours, à l'aide, je vais me cacher dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je veux sortir d'ici. J'ai trop peur, je suis terrifiée. Il se passe que des choses bizarres. J'en peux plus. Il faut que je sorte de la maison. Je suis terrifiée. Le soleil se lève, c'est le matin. Oh, j'ai de la lumière, je vais pouvoir sortir. Oh non, il va falloir descendre. Je vais allumer la lumière. Oh, il faut que je sorte. Au secours, il y a quelqu'un. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Bonjour madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je crois que ma maison est hantée. J'ai reçu un colis bizarre et depuis, il y a des choses étranges qui se passent.
Ah bon? Mais qu'est-ce que vous avez reçu dans ce colis? Une poupée bizarre avec une tête de singe. Oh mon Dieu! Mais ça m'a l'air d'être une poupée hantée. Il faut vous en débarrasser. Ne gardez surtout pas cette poupée chez vous. Elle va vous apporter que du malheur. Oh mon Dieu, c'est bien ce que je pensais. C'est à cause de cette poupée. Oui, tout à fait. Montrez-moi, je vais vous aider à vous en débarrasser. D'accord, suivez-moi. Voilà la poupée. Oh mon Dieu, elle est terrifiante. Oui, elle me fait peur. Comment vous avez pu garder quelque chose comme ça? Il faut vous en débarrasser. Allez, il faut la brûler. Et vite! Mon Dieu, quel malheur! Ah, d'accord, ok. Bon, ben, je vais la brûler dans la cheminée. Oui, qu'il n'en reste plus un seul morceau. Il va falloir aussi que vous alliez à la police, hein, pour déposer plainte. Ce n'est pas normal que vous ayez reçu un tel colis. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi on m'a envoyé ça. Je ne connais personne. Les gens sont méchants à Brookhaven. Il faut vous méfier. J'appelle la police. D'accord, merci beaucoup. Il va falloir se déplacer au commissariat. Venez, je vous amène. J'étais vraiment choquée. Je n'en reviens pas de tout ce qui s'est passé. Heureusement que j'ai trouvé cette gentille voisine pour m'aider parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bonjour mesdames. Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais porter plainte. Quelqu'un m'a envoyé un colis hanté et depuis j'ai des choses vraiment étranges qui se passent dans ma maison. D'accord, je note votre déposition. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. Nous sommes en train de faire des enquêtes à Brookhaven pour trouver qui est la personne qui envoie des colis bizarres à tout le voisinage. Et si je peux vous donner un conseil, si vous recevez quelque chose que vous n'avez pas commandé, refusez-le. Ah mais oui, c'est vrai, j'y avais carrément pas pensé. Merci pour vos conseils, je n'oublierai pas. Mais il n'y a pas de quoi, vous êtes nouvelle à Brookhaven. Oui, je suis nouvelle, et d'ailleurs ça me fait super plaisir de rencontrer mes abonnés à Brookhaven. Oh là là, j'étais encore toute choquée de ce qui s'était passé. C'était incroyable. Vous vous rendez compte? J'ai eu très très peur. J'espère que tout va aller pour le mieux maintenant. Et n'oubliez pas de me laisser plein de likes à cette vidéo pour me redonner le sourire. J'en ai vraiment besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager et vous abonner pour me suivre plus facilement. Et n'oubliez pas la cloche des notifications pour être au courant en premier lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de me changer les idées. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bye!